suis Eric Frensen, je suis le directeur de Wallonie-Bruxelles Images, qui est l'agence de promotion internationale de la Belgique francophone. Je dirais qu'un peu comme toutes les agences du même type, on se doit d'être à Cannes au marché du film. On a des films à la fois en sélection et au marché. Donc nous, en fait, on est une agence de promotion nationale, donc on ne vend pas, on fait la promotion des œuvres qu'on produit en Belgique francophone. On a des collègues qui s'occupent de la Flandre. On a le jeune Ahmed des Frères d'Ardennes en compétition. On a un film à la Semaine de la Critique qui passe ce mardi qui s'appelle Nuestras Madres de César Diaz. On a un court-métrage Lucia en el Limbo à la Semaine de la Critique aussi, qui celui-là vient de Costa Rica. Ce sont des films, ce sont des productions belges. Et puis alors on a des coproductions, donc on a le Mati Diop Atlantique en compétition. On a Oleg, un film letton à la quinzaine des réalisateurs, et Vivarium, un film irlandais à la Semaine de la Critique. On est un département du Centre du Cinéma, donc pour faire l'équivalent avec la France, on serait l'équivalent d'Unifrance, mais on dépend directement du CNC. Et récemment, ce qui a été mis en place, c'est un programme pour soutenir des films en production légère, c'est-à-dire que c'est des films petit budget, mais qui doivent se faire très rapidement. Donc on va avoir dans notre catalogue de films à promouvoir. Je pense que ce qu'on doit maintenant viser, c'est à découvrir de nouveaux talents, à assurer la relève pour espérer avoir dans les 5-6 ans à venir des films de jeunes auteurs en compétition ici à Cannes ou dans les grands festivals. Il y a ça d'un côté, et puis aussi il faut aussi une nouvelle génération certainement de producteurs, de jeunes producteurs qui vont développer de jeunes auteurs. C'est quelque chose auquel on est attentif à la fois au Centre du Cinéma et nous dans notre mission d'amener ces gens à l'international.